douceur. J'étais en train de me rouler les pouces. Et puis, mon Jésus qui est toujours à côté de moi, je le regardais et je lui ai dit « Seigneur, j'aimerais bien te faire une prière, mais une prière qui me concerne personnellement, avec des mots qui me concernent. » Alors j'ai commencé à chercher, à fouiller, parce que j'en ai beaucoup, toutes ne correspondent pas. Et puis cherche et cherche, et puis je suis tombé sur une prière. Vous savez que le Seigneur, hein, il n'est pas sourd, il entend tout ce qu'on lui demande et il comprend d'avance. Sachez que mon Père sait d'avance ce que vous allez lui demander. C'est ce que j'ai lu dans une prière un jour, une prière ou dans l'Évangile. Et puis voilà que j'ai trouvé une prière qui me correspond, bien sûr. Et pourquoi elle ne vous correspondrait pas? Alors écoutez cette prière. Elle est très touchante. Je vais la mettre sur un joli fond musical qui va avec. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es mon sauveur et mon guide, je viens humblement devant toi, reconnaissant ta miséricorde infinie et ton amour inconditionnel. Merci pour les bénédictions que tu m'offres chaque jour, pour la force que tu me donnes dans les moments difficiles, et pour la lumière de ton amour qui éclaire mon chemin. Pardonne-moi mes fautes, mes doutes et mes faiblesses. Aide-moi à devenir une meilleure personne, à aimer comme toi, à pardonner comme toi, et à marcher sur le chemin de la paix et de la justice. Seigneur Jésus, je te confie toutes mes peurs et mes soucis. Pose ta main bienveillante sur ma vie. Apporte-moi la paix intérieure et la sérénité dans mon cœur. Accorde-moi la sagesse et le courage de suivre ta volonté, même lorsque le chemin est difficile. Je te prie pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui ont perdu espoir. Enveloppe-les de ta tendresse et de ta compassion et montre-leur le chemin de la rédemption et de la joie. Seigneur Jésus-Christ, sois toujours à mes côtés, guide-moi et protège-moi, que ta grâce me fortifie et me guide à chaque instant jusqu'au jour où je pourrai te rencontrer face à face. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur, pardon pour tout, merci pour tout.